Hello, my name is Melanie Fritschand and I'm with the European Coalition Against Carbon Harassment and also with the International Center Against Carbon Technologies. And today I'm in the company of two distinguished gentlemen. To my right, the former Member of Parliament, Mr. Laurent Louis, and who's also the president of the political citizens movement, the Boulet Belge, that he has founded. And to my left, Dr. Edward Spencer, who is a neurologist who is on our board and who will conduct the interview of Mr. Laurent Louis today. So please, Dr. Spencer, if you would pose the first question so that we get his work better known also internationally and especially in the United States. Well, this interview is being conducted in the Africa House in Brussels. And right behind us, we have the list of important events, and there are a number of photographs on the wall, which I think we can capture and show later in this interview. Okay. Mr. Laurent Louis, right? Yes. Pardon. American education system. I'm going to. You're really a breath of fresh air, actually a tornado or a hurricane of fresh air in this dismal world political scene. Okay, if you could just let me translate. You're ready to translate? Yes. Okay. Il a dit que premièrement cette interview on l'a fait dans la maison d'Afrique à Bruxelles et je pense que ça sera bien de après filmer aussi les photos pour que voilà quand on a sur les murs. Maintenant, il a dit que Monsieur Louis, vous êtes vraiment un souffle d'air frais dans ce système d'oppression que nous vivons globalement. And you're very experienced politically. You've seen things from the inside. D'expérience politique, et vous voyez les choses clairement. So, what's wrong with the world? Selon vous, qu'est-ce qui cloche avec notre monde? Le problème dans le monde actuel, ce sont toutes les manipulations. Le problème in our world at the moment are all the manipulations that we're living. Il y a quelques personnes qui dirigent le monde et qui détiennent l'information et qui manipulent l'opinion publique. There are some few people that have the power and have the knowledge. And that you set knowledge to manipulate the masses and the public. Et l'exemple flagrant, c'est l'endroit où. The most telling example is where we are today. Si sur les murs on voit des photos. Look at the wall. There are photos. De combattants de la Première Guerre mondiale. Of soldiers in the First World War. D'une guerre qui s'est passée aussi en Afrique. Of war that also happens in Africa. Et dont on ne parle jamais. And nobody talks about it. Tous ces Congolais, ces Africains qui sont morts pour l'Europe, pour nos pays européens, on ne les commémore jamais. All these Africans that died for our European countries, we'll never give them any honor or nobody talks about this. Alors que ça, ce sont des manipulations, ou disons, c'est plutôt une volonté de maintenir le peuple dans l'ignorance. So which shows that there's a will behind it to keep up the people ignorant about these facts, or in general, ignorant. Ouais. Toujours être dans cette lutte permanente où finalement on considère certaines personnes comme des personnes moins importantes que d'autres. And I'm always in this fight where we can see that some people are just considered less than other people. That is what's going on. What's wrong with the men running the world? Why did they abuse us? Okay. You have an understanding of what's going on there. Les gens qui roulent, qui gouvernent ce monde. Pourquoi est-ce qu'ils nous abusent? Qu'est-ce qui cloche avec eux? Je pense que pour les dirigeants du monde, c'est 1% qui dirige 99%. Well, I think there's one percent that governs 99%.
Ces gens n'ont aucune morale, aucune éthique. Morals, no ethics. Et donc, pour eux, nous ne sommes même pas des êtres humains, des êtres vivants, we're on ne compte pas. Yeah, we're not even people for them, I mean humans. We're nothing, we just don't count. Nous sommes des objets de production, des... We're just objects. Voilà. On est là pour finalement générer pour eux des bénéfices. To generate, you know, their financial wealth. Voilà. Et donc ils sont totalement conscients de cette réalité. Et les petites fourmis qui travaillent pour leur bien-être à eux. That work for their, that they get richer and richer for their well-being. Well, I think that we're people because we're ethical. We care or care about others. We're compassionate. Mm-hmm. Could it be that these men or these people are functioning actually in a system in a manner that's less than human? That they are, their characters are impaired. Okay, bon, vous dites qu'ils nous voient comme moins que humains, moins que rien. Mais nous sommes des vrais humains, nous avons de la compassion, nous avons du cœur, nous avons de l'éthique. Donc, ce sont toutes des choses qu'eux n'ont pas, qui leur font défaut. Donc, en fait, c'est eux qui sont moins que eux, qui ne sont pas humains, en fait. Mais aujourd'hui, pour diriger, pour diriger, il ne faut pas avoir de cœur, il ne faut pas penser au bien de la population. C'est une règle. Yeah. Les dirigeants aujourd'hui défendent des intérêts occultes, des intérêts de multinationales, de lobbies, mais jamais les intérêts des citoyens. Donc aujourd'hui, ils sont sans cœur, évidemment. C'est ce qui fait qu'ils restent en place. Mm-hmm. Well, actually, it's a rule today. If you want to be in power, if you want to govern, you can't have a heart. You know, otherwise you will not rise on the political scale. They're looking for people that are especially ruthless and heartless and without ethics. So this is really absolutely the reverse of what it should be. So, donc c'est tout à fait à l'inverse de ce que ça devrait être. Totalement. Yes. Tout comme il y a une inversion des valeurs aujourd'hui et qu'on fait souvent passer les gens bien pour des crapules, mm-hmm. et finalement les médias sont là pour permettre à des personnes honteuses, des vraiment des bandits, d'être adorés par la population et d'arriver aux fonctions les plus importantes. Absolutely, and we also see a total, you know, an inversion of values. So it's the people that have less ethics that are the most ruthless that come go to the top of the political ladder. Andrew Lobachevsky, if I can get that out, wrote a book, Political Ponderology, a science of the study of evil adjusted for political purposes. And he pointed out that the people in power are not normal, that they have psychopathic tendencies characteristics. The author called of this book? The author again of this book? Lobachevsky. Lobachevsky, c'est un premier qui a écrit un livre qui a dit que en fait, les gens qui nous dirigent ont vraiment des tendances psychopathiques et il a prouvé ça. Il talked about scientific manner. Yes. Yeah, scientifiquement qu'il leur manque quelque chose. Voilà, c'est clair qu'on voit que le monde marche sur la tête. C'est la folie permanente. On assassine des gens, on invente des mensonges, on calomnie certaines personnes, on les fait passer pour ce qu'elles ne sont pas. Donc c'est clair qu'aujourd'hui, notre monde il va droit dans le mur. On est en train de détruire tout, détruire la planète, détruire tout ce qui nous entoure. Et donc pour avoir une politique qui est aussi folle, elle ne peut être menée que par des gens qui sont fous. Yeah, you can see this because our world is totally upside down. People are defamed, accused of doing things that they have never done. Everything is like upside down, and we're going right in the war if this continues like this. So we really need to look for. On a l'impression que les gens bien ne peuvent pas arriver au pouvoir.
good people, at least it seems that good people or people with ethics cannot, you know, come to power. Luke Tversky, and name again, described some of these people as para-homo sapiens, that they weren't really actually quite human, that the brain function was abnormal, that this is not, they're not normal people by and large. Dans ce livre et donc il a écrit que ces gens qui nous gouvernent, que leur fonctionnement de cerveau était pas vraiment humain, quoi. C'était vraiment anormal. Et donc ce sont ceux-là, ces gens-là qui sont arrivés au plus haut échelon du pouvoir. They have no conscience. Ils n'ont aucune conscience. Mais maybe we should talk about the Citizens Tribunal or to look for solutions also. Yes. Yeah. Yes. Well, have you mentioned the Citizens Tribunal? Yes. Okay. You mentioned it in French. Well, are you willing to be a prosecutor? Well, no. En fait, il m'a demandé si vous avez déjà parlé de tribunal du peuple. Mm-hmm. Et il voudrait savoir si ça vous intéresserait d'être un. Bien sûr, je connais l'idée. À partir du moment où aujourd'hui la justice n'est plus indépendante et que on est vraiment loin d'avoir une justice qui défend les citoyens et les gens bien, ben je pense que les citoyens doivent eux-mêmes, en toute légalité et sans rester dans la violence, on n'est pas là pour faire des chasses à l'homme, mais qu'on doit aussi nous-mêmes montrer aux autres que nous savons. Et ce genre de tribunal peut permettre justement de montrer que nous ne sommes pas dupes et que les crimes, même s'ils sont cachés par les dirigeants et par la presse qui les couvre, eh bien nous les avons découverts et nous avons envie d'en parler au grand jour. Yes, of course. So in fact, now we are really in our system. It is very clear that our governments and our justice system is either unwilling or unable to deal with our concerns, and so we won't get justice. We will only get justice if we as citizens create this kind of tribunal, and it has, of course, to be all legal. You know, we have to be in legality, but we can show that way that we're not not fools, that we're not stupid, that we know what is going on, and we can only render justice ourselves, or you know, come to a more just system in taking ourselves the role of. In the form of such citizens' tribunal. Yes, I would be interested. What would you like to say to the American people who will be watching this, who are concerned about what's going on? That's why they are watching this. You have maybe a message for them? And maybe also about his work a little bit to explain. Yes. Qu'est-ce que vous voulez dire aux citoyens américains qui vont voir cette vidéo? Et qui sont aussi très inquiets de ce qui se passe dans le monde, et aussi pour expliquer un peu plus sur votre travail. Je plains beaucoup les citoyens américains parce que. I pity the Americans very much. Ils sont dirigés par l'axe du mal. Because they're really, governed by the bad, the evil forces. J'ai beaucoup de respect pour le peuple. I respect the people very much. Mais le gouvernement est le gouvernement le plus criminel au monde. But the government is one of the most criminal governments in the world. C'est affolant de voir toutes ces manipulations. It's mind-boggling to see all these manipulations. Tous ces gens qui sont sacrifiés. People sacrificed. Pour l'argent. For money. Pour les ressources naturelles. For natural resources. Les peuples musulmans qui sont opprimés à cause des invasions américaines, parce qu'aujourd'hui c'est ça, c'est de l'invasion. Muslim people are invaded by Americans. L'armée américaine ne protège plus le territoire américain. The American army does not protect the America. C'est une armée qui est une armée envahisseuse. It's an invading power. Donc voilà, c'est pour moi, le gouvernement américain représente, c'est presque le diable. It's really, you can say the devil. Quand on voit ceux qui dirigent,
dirige, c'est à chaque fois des gens qui n'ont rien à voir avec le peuple. Si on arrive au pouvoir par les affaires, par l'argent, par une puissance presque mafieuse, donc c'est And the people that are in the government are really, have, you know, not the people's interests in heart. This is really almost a mafia. Mafia game. Attitude. The way you think about this is prevalent amongst Europeans. This way of thinking. Yes. Vous croyez que les Européens, enfin la plupart des Européens pensent comme vous? Non, pas du tout. I don't think so. Ici, où nous a vendu le rêve américain. Pour they nous, sold us the American dream. Les Américains nous ont libérés des nazis. Les États-Unis, pour nous, en Europe, c'est l'image même de la démocratie. We mostly have the image of America as, you know, democracy. C'est l'image qu'on donne dans les journaux télévisés, dans la presse. C'est l'allié, c'est l'ami, It's our allies, our friends. Et on ne veut pas voir les dérives de ces dirigeants, malheureusement. It's not seen, but what this government really does. You know? Et le pire, c'est que les pays européens aujourd'hui sont en train de s'aligner sur la politique américaine totalement. Yes. And the problem is that the European countries and the European Union are getting in line with this kind of American politics, and that's the problem. Et c'est grave parce qu'aujourd'hui, on a l'impression, en tant que responsable politique, si on s'oppose aux États-Unis. On est d'office mauvais. Yes, and the problem is, as a politician, when you oppose, the American politics America, you know, says America, then you are evil immediately. The press says you're evil. In the press, yeah, oui, dans la presse. Oui. So, okay. You don't have an agreement with the press here either. So that on a l'impression que vous n'avez pas non plus la liberté de la presse ici. Absolument pas. Absolument. La presse n'est absolument pas libre ici en Europe. Hein, c'est une véritable catastrophe. Elle est financée par l'État. Mm-hmm. Donc c'est une presse qui a un seul rôle, c'est le rôle de propagande. One word concluding. What about this? Well, press here is not free. Absolutely not free. The finance by the by the time, by the state, and it's absolutely not free. Yeah. Press doesn't seem to be free anywhere, does it? Maybe Iceland. J'ai l'impression que la presse est libre nulle part, peut-être l'Islande. Je pense qu'il y a quand même des endroits où il y a une information peut-être plus objective. Malheureusement, c'est vrai qu'elle est souvent sous contrôle du pouvoir en place. Alors, il y a certains pouvoirs. Je pense par exemple à la Russie ou autre, qui selon moi mène une politique plus juste et donc l'information est plus juste, mais ça reste quand même dominé par l'État. Oui, bien sûr. Voilà. Donc. He says that yes, it's true, but you have certain countries where at least I think the politic, in my view, for example in Russia, it's more just. So you have the information that's given is more just. But okay, let's face it, it's still dominated by the state. Well, thank you very much for giving us this interview. En fait, je voudrais bien vous remercier pour avoir fait cette interview avec nous. Wish you well in your pursuit of making things better. Et on vous a fait toutes les bonnes choses, tout le succès avec tout ce que vous faites. C'est gentil, merci. Thank you. Bye-bye.